Celle qui fut si secrète il y a quelques années semble s'exposer plus que jamais désormais. Isabelle Adjani, dans les salles de cinéma dans Mascarade de Nicolas Bedos, est également sur le petit écran dans la super production cathodique signée José Dayan, Diane de Poitiers. France 2 diffuse cette œuvre en deux parties ce 7 novembre, dans laquelle l'actrice française aux 5 Césars étale tout son talent et sa beauté. Le Parisien cesse d'interroger plus précisément à l'image de la star de 67 ans, incroyable, qui cesse de glisser dans la peau de la favorite de Henri II, roi de France. Jouant un personnage sur plusieurs années de sa vie, l'artiste n'a jamais paru aussi jeune. José Dayan est ferme sur ce point-là, si Isabelle Adjani, sublime sexagénaire, est aussi lumineuse dans sa mini-série Diane de Poitiers, il n'y a pas de trucage pour la faire paraître plus jeune, tout est une question de lumière et de maquillage, démentant, comme la comédienne, les soupçons de retouches numériques. Toutefois, l'inoubliable reine Margot admet avoir déjà été la cible de modifications par ordinateur, oui bien sûr, comme toutes les actrices françaises célèbres, et ce n'est pas une question d'âge. Qui n'a pas envie d'être au mieux? On a tout un meilleur profil. Avec le numérique, on peut enlever un bouton ou un pli disgracieux. Les retouches numériques se sont banalisées, elles font partie de l'évolution technique. Elle fait ainsi remarquer que les techniques plus traditionnelles, comme les masques en latex, sont rarement bien faites.